بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bienvenue à toutes et à tous à cet événement qui est organisé conjointement entre l'APB et le Centre Régional d'Investissement de Fès, MECNES également. Nous sommes si bien accueillis ici à Fès, dans ce centre de conférence de l'Université Sidi Moulay Abdallah. Et je rappelle également que cet événement est diffusé en ligne, donc bienvenue également à toutes les personnes qui nous suivent en ligne pour cet événement. Alors, qu'est-ce qu'on va voir durant ce jour ou durant cet événement? Cet événement, il est important pour deux principales raisons. La première étant par les personnes qui sont présentes parmi nous aujourd'hui et par lesquelles qui nous entourent. Et deuxièmement, c'est par son objet. Son objet qui est la déclinaison pratique de la régionalisation pour le secteur de l'offshoring. Alors, dans un premier temps, nous allons acter la signature d'un mémorandum d'entente entre l'APB et le Centre Régional d'Investissement pour promouvoir le secteur de l'offshoring et également le digital. Et dans un deuxième temps, nous allons échanger par la présence de nos spécialistes sur dans quelle mesure la régionalisation permet de donner des leviers au secteur de l'offshoring pour relever les challenges post-Covid. Donc, bienvenue à toutes et à tous encore une fois. Et je cède la parole à M. Amin Zarrouk, président de l'APB, pour lancer le mot d'ouverture. Je vous demande d'applaudir. Merci, cher Mohamed Ben Abou, notre cher maître de cérémonie. Monsieur le président du conseil de la ville de Fès, monsieur le directeur général du Centre Régional d'Investissement Fès MECNES, messieurs les représentants du Centre Régional d'Investissement de Oujda, de l'Oriental, cher monsieur le directeur de Fès Shore, mesdames et messieurs, mes chers amis, chère audience, chers auditeurs. Je voudrais tout d'abord remercier cette belle région, la région de Fès-Meknès, à travers ses représentants, de nous avoir accueillis, très bien accueillis, dans cette magnifique salle, et bien sûr, qui nous permet de faire ce web dialogue d'une façon un peu mixte, entre du présentiel et également à distance. Donc, merci beaucoup d'être nombreux à vous connecter à ce web dialogue qui est une série, qui fait partie de la série des web dialogues de l'APB sur différentes thématiques. Bon, sur cette thématique en particulier, une thématique qui est doublement chère à mon cœur, étant donné qu'elle concerne l'offshoring. Mon métier est le métier important qui est représenté par notre fédération, mais également la région et le territoire. Et pour ceux qui me connaissent, savent très très bien à quel point je suis attaché à cette thématique du territoire. Donc, je ne veux pas sans plus tarder, puisque je vais revenir plus tard pour vous exposer un certain nombre de choses. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous d'être là. Merci à nos chers invités qui ont fait le déplacement de loin. Et je vous souhaite une très, très belle conférence et une très belle cérémonie de signature. Merci. Merci, Siamine. Applaudissons, Siamine. Je cède la parole à Sitezi, qui nous accueille aujourd'hui dans la région Fès-Meknès.
Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil de la ville de Fès, Monsieur le Président de l'APEBI, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette table ronde aujourd'hui avec vous, qui regroupe un panel d'experts et de professionnels du secteur de l'offshoring et des nouvelles technologies de l'information. Donc, l'objectif principal, comme l'a rappelé M. le Président de l'APEBI de cette rencontre, est d'échanger ensemble autour des opportunités et des perspectives qui existent au niveau du secteur de l'offshoring. C'est un secteur important au niveau de la région Fès-Meknès, on va y revenir plus tard. Et les opportunités offertes en cette période un peu particulière que nous vivons actuellement. Donc, cette rencontre marque aussi la coopération exemplaire entre le Centre régional d'investissement Fès-Meknès et l'APEBI, qui franchit donc aujourd'hui un palier important, matérialisé par la conclusion donc d'un partenariat pour la mise en place d'un modèle d'écosystème digital au niveau de la région Fès-Meknès en tant que région pilote, ainsi que la création donc d'une antenne régionale de l'APEBI pour fédérer les acteurs de l'IT et accompagner donc les secteurs clés au niveau de la région dans leur processus de transformation digitale. L'APEBI et le Centre régional d'investissement Fès-Meknès joignent ainsi leurs efforts pour identifier les nouvelles niches de ce secteur qui est en constante évolution, comme nous le savons, favoriser donc la création de synergies et proposer donc un dispositif d'accompagnement dédié aux acteurs de l'écosystème régional. Donc, ces objectifs convergent parfaitement avec les enjeux de développement de la région et s'inscrivent en cohérence avec les orientations et les objectifs du plan de développement régional. En effet, plusieurs chantiers stratégiques sont en cours actuellement au niveau de la région. Je pense notamment au schéma numérique régional pour la transformation digitale du territoire, le projet Fès Smart Factory, qui est le premier écosystème de l'industrie 4.0 au Maroc, ou encore le projet de l'AgriTech qui permettra d'apporter une révolution, on va dire 2.0, une révolution verte 2.0, mêlant recherche, innovation digitale et développement entrepreneurial. Le choix de la région Fès-Meknès pour accueillir ce nouveau modèle d'écosystème digital n'est pas dû au hasard. Il faut rappeler que la région est la troisième destination de l'offshoring au Maroc et représente à peu près 11% des emplois du secteur au niveau national. Avec 36 centres d'appel employant près de 4500 salariés uniquement pour la ville de Fès, l'offshoring était déjà l'année dernière le premier secteur employeur au niveau de la ville de Fès, qui peut se targuer de compter de grands noms de l'offshoring comme Alten Delivery Center, WebHelp, Acticall ou encore CGI. Donc, parmi ces nombreux atouts, et je pense qu'on va y revenir aussi ensemble tout à l'heure, la région est fière de son capital humain qualifié et performant. Je rappelle que la région est le premier pôle universitaire au Maroc, avec 20% à peu près des étudiants formés à l'échelle nationale, et compte bien sûr 5 universités prestigieuses et de nombreux établissements professionnels de formation professionnelle. Donc on notera également, et ça aussi c'est un point important, la présence d'un institut spécialisé dans les métiers de l'offshoring, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication et de l'audiovisuel, qui a formé l'année dernière à peu près 1500 stagiaires. Donc, cette position est aussi consolidée par une infrastructure de qualité au niveau de la région Fès-Meknès qui propose des services aux meilleures normes et standards internationaux, à l'instar du parc intégré Fès-Shore, et je pense aussi que nous allons en savoir un peu plus ensemble tout à l'heure, qui s'étale sur une vingtaine d'hectares et qui propose donc des services world class dans un cadre de vie agréable et optimisé. Cette infrastructure a permis de créer un levier de développement du tissu existant et drainer également de nouveaux investissements dans le secteur de l'offshoring. Autre atout important, et nous le verrons aussi ensemble tout à l'heure, la région a su mettre en place un régime incitatif attractif afin d'encourager la création d'emplois dans le secteur, en complément du dispositif d'aide et d'accompagnement déployé par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, notamment les différentes subventions, les incitations fiscales, ainsi que l'accompagnement à travers les programmes de Maroc PME. En conclusion, je suis convaincu que cette rencontre sera riche et permettra à l'ensemble des personnes présentes ou connectées aujourd'hui avec nous de se rendre compte des grands chantiers à venir qui sont liés au secteur de l'offshoring et à la transformation digitale, ainsi que des opportunités et défis liés à la régionalisation du secteur qui constituera à coup sûr un accélérateur de la compétitivité et de l'attractivité des territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sitezi, directeur général du Centre régional d'investissement de la région Fès-Meknès. Alors, je rappelle que cet événement est diffusé en live. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints à l'instant.
On va parler régionalisation, on va parler offshoring, et l'APB est justement l'un des acteurs clés de l'offshoring. Alors, j'appelle Siamen Zarouk pour nous présenter dans quelle mesure, dans quelle manière l'APB décline la stratégie de régionalisation au niveau du territoire marocain. Siamen Zarouk. Eh bien, rebonjour. Alors, je voudrais justement profiter de ces quelques minutes pour partager avec vous un certain nombre d'éléments concernant d'abord concernant le positionnement et la stratégie de notre fédération, l'APB, la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Alors, en attendant qu'on projette mes slides, je voudrais. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, je voudrais peut-être rappeler quelques éléments par rapport à l'objectif de notre. Ou à la. Aux perspectives de notre fédération. Donc notre fédération qui regroupe, qui pèse quand même, parmi les fédérations qui pèsent le plus en termes de chiffre d'affaires de ses membres, qui dépasse 70 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, dont plus de 10% d'entreprises dans le domaine de l'offshoring. Alors nous avons, depuis le début de cette année, mis l'accent sur un certain nombre de priorités. Ces priorités, nous les avons déclinées en 5 axes. Un premier axe qui concerne le développement de la digitalisation du Maroc à travers la création d'opportunités pour les acteurs de l'IT au Maroc et de l'offshoring et créer une véritable industrie du digital au Maroc. Et bien sûr, cet objectif-là vise à permettre aux acteurs de l'IT d'accéder à ces opportunités, à ces différentes opportunités, et que le Maroc ne reste pas juste un consommateur de technologie, mais également un producteur de technologie. Donc il y a l'opportunité, mais il y a également la préparation. Donc nous avons structuré, nous avons poussé notre écosystème à se structurer sur différentes activités, à travers les pôles. Ensuite, nous avons travailler sur un axe qui concerne le tout ce qui est skills, tout ce qui est compétences, parce que c'est pour nous le nerf de la guerre, et on ne peut pas réussir une véritable stratégie de digitalisation au pays si nous ne travaillons pas suffisamment sur la préparation de compétences pointues, étant donné que c'est un métier qui requiert une compétence particulière. Donc, c'est ce qu'on a appelé « skills for all ». Le troisième axe concerne l'axe de la donnée, donc ce que nous avons appelé « data for all », qui permet de créer la création d'un observatoire national pour mutualiser les données et créer, bien sûr, cet observatoire, ce HCP, si j'ose l'appeler ainsi, digital. Le quatrième axe, c'est celui de tout ce qui est doing business digital, parce que bien sûr, on peut dire notre pays a besoin de créer cet écosystème digital, mais sans un environnement favorable, propice, nous ne pouvons pas le développer. Donc ce doing business digital, pour nous, c'est très important. Et puis le cinquième et dernier axe, qui concerne la marque tech marocaine et le rayonnement à l'international, notamment en Afrique, et donc c'est le Moroccan Tech for Africa. C'est un des axes majeurs de notre mandat. Alors pourquoi je rappelle tous ces axes-là? Pour vous dire que nous avons un projet ambitieux et nous sommes convaincus que ce projet ne peut réussir que si cette stratégie est déployée et déclinée sur les régions. Le territoire est pour nous un ingrédient principal qui va permettre, bien entendu, de répondre à tous ces enjeux.
Alors, je vais peut-être y aller point par point, en illustrant. Déjà, le premier, voilà, merci. Donc, les cinq axes que j'ai déclinés, donc commençons d'abord par Data for Tech, c'est-à-dire comment nous allons pouvoir permettre aux Marocains d'avoir un observatoire. Nous estimons que, justement, la data, c'est aussi le nerf de la guerre. Les régions, ils recèlent de mines d'informations sur les activités initiatives régionales. Donc, l'Observatoire national, ça peut être une création d'une synergie avec les antennes régionales. C'est de pouvoir, justement, profiter du gisement de compétences au niveau régional et de pouvoir bâtir ces stratégies en partenariat avec les territoires. Il y a également, sur l'axe Skills for All, évidemment, ce sujet-là, nous ne pouvons pas réussir des grandes stratégies et créer des centaines de milliers de compétences si les universités et les écoles d'ingénieurs au niveau des régions si on ne les implique pas dans cette stratégie. Et puis, ça tombe bien puisque nous sommes dans une région qui est considérée comme le premier pôle universitaire du Maroc. Donc, favoriser également les opportunités d'emploi pour les jeunes régions et surtout la reconversion des profils scientifiques. Alors, nous avons mené quelques initiatives, notamment les CQP, c'est-à-dire les contrats de qualification professionnelle. Nous avons des membres qui ont lancé des actions pour reconvertir des profils sur le marché, qui sont formés sur des technologies qui ne sont pas demandées sur le marché, pour pouvoir les transformer, etc. Il y a également l'axe Institutions to Meet qui permet de travailler la main dans la main avec les collectivités pour préparer les lois, et notamment les lois de finances, le lobbying, entre guillemets, qui permet de pousser des lois pour pouvoir favoriser l'autonomie des régions en matière de digitalisation et pour permettre aux acteurs de digital locaux de se développer et avoir un environnement propice pour le développement. Justement, on prend un exemple d'une collectivité locale qui lance des projets et qui est confrontée à des difficultés en termes de législation. Donc, l'APB doit avoir un relais dans cette région qui permet de créer cette synergie et de porter le sujet avec les pouvoirs publics. Alors, Digital for All, je ne l'ai peut-être pas suffisamment décrit, mais c'est surtout la création de caravanes régionales qui vont cibler ces caravanes régions et secteurs et qui vont partir dans les régions et créer ce besoin, que ce soit en termes sur la partie smart cities, ça peut être sur tout ce qui est développement régional, étant donné que l'écosystème digital régional est un producteur de technologies locales. C'est-à-dire, pour nous, on veut également travailler avec les régions pour permettre de ne plus être dans cette logique de consommation de technologies ou d'importation de technologies, mais plutôt permettre à un écosystème de produire également de la technologie et d'exporter la technologie. Et en parlant d'export, et c'est le cinquième et dernier point, c'est Moroccan Tech for Africa, créer des synergies entre les régions et créer de l'émulation pour organiser des offres exclusives régionales exportables, créer également des jumelages, pourquoi pas, entre des villes, un jumelage digital, étant donné que l'APB mène des actions, on va dire, autour de la diplomatie digitale, et nous avons des villes où il y a des similitudes entre des villes à l'étranger et des villes au Maroc, pourquoi pas ne pas créer des synergies. Et justement, c'est la raison pour laquelle nous avons mené cette réflexion sur comment renforcer ce lien entre l'APB, une fédération nationale, et l'ensemble des régions. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Nous avons voulu, comme nous a dit si Azami tout à l'heure lors d'une discussion, quelle est la première action concrète entre la fédération et la,
et la région, écoutez, pour célébrer cette signature qu'on s'apprête à faire avec le Centre Régional d'Investissement, nous avons l'APB en partenariat avec Facebook, lance ou offre à la région une formation pour 100 entreprises établies dans la région qui peuvent être des entreprises de différentes, c'est des petites entreprises, des TPE, et nous offrons 2 formations par entreprise. Donc, ça fait 200 formations offertes dans le cadre de cette partenariat. Comme première action, on va dire, inaugurale, qui va nous permettre, Inch'Allah, de développer une série d'initiatives par la suite. Voilà, donc, la régionalisation de l'APB, pour nous, c'est l'offre adaptée aux besoins locaux et qui permet la création de véritables valeurs ajoutées. Et l'objectif, c'est de co-construire d'autres actions et une approche pour pouvoir permettre le développement et l'exponentiation d'acteurs IT. Et donc, notre objectif à travers les centres régionaux d'investissement, c'est de créer et encourager ce vivier d'investisseurs qui vont demain se dire, au lieu de dire pourquoi la région, mais plutôt se poser la question du pourquoi pas la région, puisqu'on va avoir un écosystème assez solide. Et justement, comme a dit très bien Sitiazi, il y a des initiatives, il y a des choses qui se passent dans les régions, et sans un écosystème structuré et fort avec la chaîne de valeur qui est complète, il est difficile de pouvoir réussir ces grandes stratégies. Donc voilà, je vous ai exposé un petit peu les grandes lignes de cette stratégie de l'APB. Bien entendu, nous avons inauguré cette stratégie de régionalisation avec le CRI FESM-CNES pour plusieurs raisons. Et bien entendu, c'est la première étape sur une série de plusieurs réussites qu'on va faire avec les régions. Étant donné que nous avons les représentants de la région de l'Oriental, on va dire que c'est la prochaine étape, c'est l'Oriental, avec qui on entretient déjà une très très bonne relation. Bien entendu, notre but, c'est aussi développer des zones comme Fès Chor, comme Oujda Chor et comme Tétouan Chor, par exemple. Donc, je vous remercie et je nous souhaite une belle réussite, parce que c'est effectivement c'est cela qui va nous permettre d'être au niveau de nos ambitions. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Je rappelle que l'événement est diffusé en direct et je souhaite encore une fois la bienvenue aux personnes qui se sont connectées. Et comme a dit César Roch, on va concrétiser par une action concrète la déclinaison de la régionalisation au sein de l'APB par la signature de ce mémorandum entre le Centre Régional d'Investissement et l'APB. Donc j'invite Sitiazi et Siamin Zarouk pour la cérémonie de signature. Sil Azami. Donc en ce moment, l'APB et le Centre Régional d'Investissement signent un mémorandum d'entente pour une série de projets pour promouvoir la digitalisation et le secteur de l'offshoring au sein de la région, en présence de Sil Azami. Bravo, bravo. Et je pense que ce n'est qu'un début d'une série de projets au sein de la région, Inch'Allah. Bravo. Il faut qu'on montre les signatures. Proof evidence. Bravo, bravo encore une fois. Merci Siamin, merci Sitiazi.
Comme j'ai dit, ça sera certainement le début d'une série de projets. Alors, je rappelle que le programme de cet événement, donc après avoir présenté la stratégie de régionalisation de la PEBI avec l'ensemble de ses projets, la concrétisation de cette régionalisation par la signature d'un mémorandum d'entente entre la PEBI et le Centre régional d'investissement, nous allons maintenant passer à un web dialogue pour échanger justement sur la régionalisation et dans quelle mesure cette régionalisation elle permet de fournir des leviers pour le secteur de l'offshoring pour gagner en compétitivité. Alors, en attendant que la logistique puisse être installée, alors ce web dialogue, moi je suis vraiment ravi de l'animer. Le thème du web dialogue de cette table ronde que nous allons, la thématique que nous allons échanger, elle traite le secteur de l'offshoring, la régionalisation et le Covid. Le Covid, je pense que nous étions tous impactés par les Covid d'une manière directe ou indirecte, que ce soit au niveau personnel, sur le plan de la santé, parce que je pense que initialement, quand cette pandémie a vu le jour, on ne se sentait pas concerné. On disait c'est les autres qui étaient concernés, mais au fur et à mesure, le cercle commence à devenir de plus en plus restreint. Et maintenant, ce sont nos proches, ce sont nos amis qui sont atteints par cette maladie. Le Covid a également impacté le côté social. Il a changé certaines de nos habitudes. Je pense qu'on a tous pu passer un certain moment avec nos familles. On les a découverts, nos femmes, nos enfants, et ça a certainement changé certaines de nos habitudes. Et ça a certainement impacté l'économie mondiale. L'économie mondiale, et en particulier le Maroc. Mais derrière cette crise se cachent beaucoup d'opportunités. Comme on le sait tous, enfin, ce sont les crises qui nous permettent de devenir de plus en plus robustes. Et derrière chaque crise se cachent des opportunités. Et c'est ce que nous allons discuter justement aujourd'hui à travers ce panel sur les opportunités qu'offre cette crise post-Covid. Alors, quelles sont justement, puisqu'on va parler du secteur de l'offshoring, quelles sont justement les perspectives du secteur de l'offshoring? Quelles sont les opportunités et les challenges qui sont potentiellement générés par cette crise Covid? Dans quelle mesure la régionalisation avancée permet aux entreprises de mieux capter ces opportunités? Et quels sont les dispositifs d'accompagnement? On sait qu'ils existent déjà, mais dans quelle mesure ces dispositifs se sont alignés avec les nouveaux besoins des entreprises pour capter ces opportunités post-Covid? Alors, pour échanger sur l'ensemble de ces sujets, je suis vraiment ravi d'être entouré par un panel d'experts d'offshoring. Alors, nous avons parmi nous, c'est Mémoun Chéri, président du pôle offshore au sein de la PEBI. C'est Mémoun. Nous avons également avec nous à distance Cédric Lassery, directeur général d'Altran Maroc. C'est Lassery, est-ce que vous nous entendez? C'est Lassery. Je vous entends, j'espère que vous me voyez, vous m'entendez. Parfait, marhaba bik, c'est Lassery. Nous avons également parmi nous, c'est Jaffer Mghardi, directeur général de Tanger Medzone. C'est Mghardi, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Nous avons également avec nous Yassine Tazi qui nous accueille aujourd'hui. Yassine Toudelmane, en tant que directeur général du Centre régional d'investissement.
Donc, Inès. Et également, c'est Samir Gerraoui en tant que directeur business development chez MedZ. Merci beaucoup, Samir. Et c'est Abdelali Ansari, directeur général adjoint de CGI. C'est l'Ansari, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir à tous, je vous entends très bien. Marhaba, c'est l'Ansari. Liberty. Et Frédéric Sbah, directeur Evris Maroc. Monsieur Sbah, est-ce que vous nous entendez? 5 sur 5, je vous vois très bien, merci. Parfait. Alors pour commencer, on parle de l'offshoring. Et là, je m'adresse à Simémon Chéri, vous en tant que président du pôle offshoring au sein de l'APB. Est-ce que, avant d'attaquer le volet de la régionalisation et des opportunités, est-ce que vous pouvez partager avec nous un aperçu sur les perspectives globales du secteur de l'offshoring au niveau mondial et au niveau Maroc? Avec le micro. Bonjour à tous. Bonjour aux à toutes les personnes présentes ici, mais également à toute personne aujourd'hui qui nous suit à distance. Peut-être je voudrais donner un aperçu sur l'offshoring au niveau du Maroc. Que représente ce secteur pour le Maroc? C'est un rappel pour quelques-uns, mais ça permet également de donner des chiffres à jour de fin de 2019. Ce secteur, comme vous le savez, c'est un secteur très important, significatif pour l'État marocain. Il a enregistré une croissance considérable donc sur les quelques dernières années et depuis son lancement, en effet. Donc, pour donner des chiffres précis, à fin 2019, ce secteur emploie aujourd'hui 120 000 dans les 5 différents écosystèmes. C'est tout simplement le deuxième secteur en termes d'emploi au Maroc. En termes de chiffre d'affaires, il a réalisé à fin 2019 14 milliards de dirhams sur la partie export. Et puis, c'est tout simplement, comme je dis aussi, c'est le troisième secteur en termes de chiffre d'affaires à l'export. Il a été accompagné également par l'État en termes d'investissement. Donc, de 2016 à 2019, l'État a également investi environ 1,3 milliard sur ce secteur-là. Je voudrais aussi peut-être donner le taux de croissance moyen annuel. Donc, de 2016 à 2019, en termes d'emploi, il y a eu 9% d'augmentation annuelle. Donc, on est passé d'à peu près 92 000 en 2016 à 120 000 comme je disais tout à l'heure, emploi, en fait, tout simplement sur les 5 écosystèmes. Et puis, en termes de chiffre d'affaires, on passe en 2016 de 8,8 milliards de dirhams en termes de chiffre à l'export à 14 milliards. Il y a quand même quelques peut-être notes très importantes, en fait, sur ce secteur. Le secteur, il compte environ 1000 acteurs qui agissent sur l'offshoring au niveau du Maroc, mais avec une très forte concentration sur deux écosystèmes, le CRM et l'ITO. Et puis, en termes de localisation, on note que entre Casa et Rabat, il y a 81% des entreprises et des emplois qui sont axés sur cette région. La région de Fès vient en troisième position avec 11%, puis la région de Tétouan, Tanger, Tétouan à 4%, et puis les autres régions, Oujda, Fès, Oujda, enfin la région de l'Oriental de façon globale, 1%, la région de Marrakech, 1%, et puis la région de Tous-Massadra, 2%. Et on voudrait bien voir changer sa tendance sur les années à venir. La forte évolution de l'offshore au Maroc se trouve également au niveau de l'outsourcing mondial. Nous, on parle de 14 milliards de dirhams, qui est peut-être 1 milliard et demi en dollars. Mais sachez que le secteur de l'outsourcing représente mondialement 1000 milliards de dollars. Donc, il y a encore beaucoup de choses à gagner là-dessus. Les deux secteurs les plus importants en termes de taille de marché, c'est l'ITO et la partie ESO. Alors justement, Simimon, donc on a un aperçu global du secteur de l'offshore au Maroc. On sait que c'est un secteur à forte compétitivité au niveau mondial.
il y a d'autres destinations qui sont des concurrents au Maroc. Alors, comment le Maroc se positionne par rapport à cette concurrence au niveau mondial sur le secteur de l'offshore? Peut-être que je l'aborderai en deux angles. Un angle peut-être mondial de la partie outsourcing, quand on parlait tout à l'heure des 1 000 milliards de dollars, et puis un angle plus axé sur le marché francophone qui reste le marché principal de l'offre marocaine. Peut-être que je partage avec vous les résultats d'une étude, en fait, d'un cabinet qui s'appelle E.T. Kearney de 2019. Donc, c'était Location Attractiveness. Vraiment, c'est l'attractivité régionale, donc l'attractivité des pays en termes d'outsourcing de façon globale. Ce classement, il a été fait sur la base de quatre facteurs d'analyse. D'abord, l'attractivité financière, donc c'est en termes de coûts, qui représentait 35% de la note globale, mais également sur le volet ressources humaines en termes de qualité de formation et de quantité, et puis l'environnement des affaires, et puis en dernier lieu, la résonance digitale. Que représente le digital dans le pays? Sur le top 10, là où je parle au niveau mondial, le top 10, 8 pays, en fait 8 locations, sont d'origine asiatique. On trouve, bien évidemment, sans grande surprise, l'Inde, la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Donc ça, c'est sur le volet mondial. Peut-être pour donner même comment se positionne le Maroc sur ces quatre critères. Le Maroc, il est sorti 36e, donc 36 sur les différentes régions qui ont été classées, avec une note très bonne sur l'attractivité financière. Donc, il sort avec numéro 14, au classement 14 sur les pays en fait étudiés, donc qui étaient en nombre de 50. Sur le volet environnement business, nous avons même gagné 4 positions, donc par rapport à 2017, nous sommes passés de 36 à 32. Et puis, sur la partie ressources humaines, nous sommes restés à peu près en même classement, mais qui reste un classement pas forcément dans le premier, 38e. Sur la résonance digitale, par contre, on était vraiment vers les derniers et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire là-dessus. Comment faire entrer le digital de façon globale au niveau du Maroc? Juste peut-être sur le marché francophone très rapidement. Comme vous le savez, sur le marché francophone, le Maroc reste une destination de choix et reconnue, expérimentée. Donc, et plusieurs même prix ont été reçus par le Maroc. Cela dit, on a quand même de la concurrence qui vient de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, sur deux volets, à la fois sur le volet compétitivité, mais également sur le volet linguistique, le français et l'anglais, mais également l'Afrique du Nord ou l'Europe de l'Est. Alors, donc on comprend que le secteur de l'offshore, c'est un secteur à forte concurrence. On a d'autres pays qu'on est concurrent sur ce secteur-là. Et justement, puisqu'on parle de la régionalisation, à votre avis, Simémone, vous qui êtes président du pôle offshoring, que pourrait apporter la régionalisation pour gagner en compétitivité, justement? Donc, ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, même sur le marché francophone, enfin, il y a deux volets, en fait, mais je reste sur le marché francophone, notre marché classique d'aujourd'hui, rester compétitif ou gagner quelques points en termes de compétitivité, c'est fortement attendu par les acteurs de l'offshore. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui partent en Afrique du Sud pour gagner quelques points de compétitivité. Je pense aujourd'hui, on pourrait largement dépasser ces points de compétitivité en nous déplaçant de l'axe principal, donc CASA, Rabat, pour venir en région. Et sur un tas de choses, sur le foncier, sur les salaires, sur beaucoup de choses, et même peut-être, ça va être cité par mes collègues tout à l'heure, des incentives qui sont complètement spécifiques aujourd'hui accordés par les régions. Donc je pense, sur le volet compétitivité, en partant sur les régions, les acteurs peuvent gagner un certain nombre de points, mais également sur le volet compétences, on le disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de compétences aujourd'hui qui existent dans les régions. Toutes ces compétences, tous ces profils ne sont pas forcément mobiles sur l'axe CASA et Rabat.
aller sur la région, ça veut dire tout simplement aller sur ces viviers de compétences qui ne sont pas exploités aujourd'hui. Alors, on aura certainement l'occasion de discuter de l'ensemble des incentives, des avantages de chaque région avec des témoignages concrets, justement, ce qu'on a acté aujourd'hui est un pas parmi d'autres pas pour justement accélérer cette régionalisation et profiter des avantages de ces régions. Alors là, je m'adresse à vous, c'est Idriss Laissery. Vous, en tant que directeur général de Altran Maroc, l'un des acteurs principaux du secteur de l'offshoring, alors comme j'ai dit initialement, le secteur, ou plutôt cette pandémie, bien que cela a impacté fortement l'économie mondiale, et c'est le Maroc, mais derrière cette crise se cachent énormément d'opportunités. Quelles sont selon vous les opportunités qui se cachent derrière cette crise et comment on peut les capter, Sidriss? Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas être parmi vous. Franchement, le cœur y est dans une région qui m'est chère. J'ai passé d'excellents moments et de nombreux moments à Fès et à Meknès et je salue l'ensemble de mes collègues et l'ensemble des personnes qui sont là aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, nous avons de nombreuses opportunités. Alors, oui, cette année a été difficile. Oui, il y a eu un moment de sidération. Oui, il y a eu un moment où la crise a frappé fortement et où on s'est tous posé énormément de questions. Au niveau de l'offshoring, vous avez vu, il y a plusieurs métiers et la situation a été inégale sur la partie de tout ce qui est métier des systèmes d'information, métier d'IT. Tout le monde a pu voir que ces métiers étaient des grands gagnants de cette crise parce que la digitalisation s'est accélérée. En fait, ce qu'on a tous vu avec cette crise, c'est que des tendances de fond qui étaient là avant la crise ont été exacerbées avec cette crise. Et la digitalisation en fait partie. La lutte pour la compétitivité aussi, l'innovation et le fait d'être dans une compétition assez forte, de plus en plus et qui a été accélérée par le Covid. Alors, une fois que cette sidération est passée, on a vu dans le troisième trimestre, dans le quatrième trimestre, de nombreuses opportunités se créer. En fait, les grands donneurs internationaux, ceux qui ont été cités par Sichiri, qui représentent les 1 000 milliards de dollars, ont toujours voulu concentrer leurs investissements en outsourcing et ont challengé l'ensemble de leurs dépenses pour faire en sorte de gagner en compétitivité. Et donc, l'ensemble de cette masse est parti chercher de plus en plus un équilibre fort entre les pays, entre les talents, entre les compétences. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une accélération de la tendance vers l'onshore, vers l'offshore, avec toujours cette bataille pour les talents qui est de plus en plus forte. Alors, clairement, ces opportunités, le Maroc peut en bénéficier. Le Maroc est déjà positionné, le Maroc est placé, le Maroc a une proximité et linguistique et culturelle avec les pays. L'Asie paraît loin, mais en même temps, comme l'a dit Sichiri tout à l'heure, l'Asie est extrêmement bien placée en termes de compétitivité, a des talents, a le nombre. Et donc, ces opportunités de compétences supplémentaires, de travail supplémentaire, ces éléments, ces opportunités pour notre balance, pour notre balance commerciale et pour cet export de compétences, ce sont des métiers extrêmement nobles et ce sont des opportunités dont je suis convaincu que l'on peut capter. Alors, juste pour regarder sur les chiffres, 120 000 personnes qui travaillent dans le secteur chez nous, je fais partie d'un groupe de 270 000 personnes et 150 000 personnes dans ce groupe sont en Inde. Donc, vous vous rendez compte qu'on est en train de dire que tout le Maroc correspond à une partie d'un seul acteur qui n'est même pas forcément le plus gros acteur indien dans le domaine de l'offshore. C'est montrer
c'est voir le nombre de les opportunités, le volume de personnes qu'il peut y avoir et le nombre d'opportunités que l'on peut capter. Donc on est lilliputien au niveau mondial. On a énormément de choses qui sont en train de se passer au niveau mondial. Et notre conviction, c'est que le Maroc est bien placé pour aller chercher des compétences supplémentaires. Et il n'est même pas impossible de penser d'être 200 000, 300 000 si nous y prenons bien. Nous avons des talents qui sont là, nous avons des talents qui sont dans les différentes villes du Maroc. Et M. Tazi parlait tout à l'heure de 20% qui sont dans le poumon de Meknès, de Fès. Toutes ces personnes-là peuvent participer à la mondialisation. On peut faire de l'export encore de façon plus importante de notre matière grise. Et derrière, ce qu'il faut, c'est arriver à les capter ces opportunités, mais le faire vite, le faire rapidement, et arriver à capter ces opportunités quand les cartes se redistribuent. Donc oui, une année difficile, une année qui, après la sidération, a montré qu'il y avait des opportunités qui se créaient. Les cartes sont en train d'être rebattues aujourd'hui, et c'est à nous, Marocains, d'aller valoriser nos compétences, nos talents, nos régions, nos territoires, pour faire en sorte de capter ces cartes qui sont rebattues au niveau mondial. Ce que je retiens, c'est la série « Il faut faire vite », c'est le mot-clé. On a des cartes à jouer, on a un potentiel au sein des régions qui aujourd'hui il n'est pas encore exploité à son plein régime. Et là, je m'adresse justement à Si Jaafar El-Mghardi. Vous qui êtes directeur général de Tanger Medzone et membre directoire de TMSA, comment justement la région de Tanger Tetouan permet de profiter du potentiel en termes de bassin RH, en termes d'accompagnement pour capter les opportunités qui ont été citées par Sila Esri? Simradi, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci spécifiquement à Monsieur Mimoun de nous avoir associés à cet événement à travers la PEBI. Je tiens tout d'abord en prélude à cette intervention, dire à nos camarades, à nos amis de la PEBI que nous sommes très heureux d'être associés à un événement de la PEBI. Tetouan Shore est une zone qui a été zone dédiée à l'offshoring, au nearshoring, qui a été lancée en 2012, qui a démarré effectivement en 2013-2014. Et c'est la première fois que nous sommes dans une boucle de ce type. Donc, un petit message positif pour dire qu'enfin, peut-être les choses vont se tourner vers cette région. Et enfin, peut-être aussi l'action de la PEBI va être un peu démarquée de l'axe Casablanca, auquel j'ai appartenu dans une autre vie professionnelle, ce que je comprends hein, de par mon vécu. Mais depuis que je suis à Tanger, maintenant 5 ans, il est certain que dans la région du Nord, il y a effectivement beaucoup d'opportunités, comme il en a aussi hein, dans la région de Fès. Et je vous félicite pour l'événement qui se tient aujourd'hui dans cette ville, avec tous les gisements d'emploi, avec l'expérience réussie de M. Tiazi, notamment avec le groupe Alten. Les régions existent au Maroc et elles ont besoin de contribuer entre guillemets à l'effort de développement économique et elles sont concernées, voire elles sont à la pointe du sujet. En introduction, c'était ce que je voulais dire. Je souhaiterais aussi très rapidement vous situer un peu le groupe Tangemet. Vous le connaissez tous certainement, mais quelques éléments clés à garder en tête. C'est un projet aujourd'hui qui est non seulement un projet de complexe portuaire, mais c'est aussi et surtout un projet de plateforme industrielle-logistique. Et le portuaire, c'est le port que nous connaissons tous, qui est donc d'ores et déjà une fierté nationale, un port qui se classe premier en Afrique, parmi les premiers en Méditerranée. J'espère que certains d'entre vous ont aussi relevé que cette année, en 2020, plateforme Tangemed, à savoir le port et les zones industrielles, ont été classées par un organisme de référence dans le classement des zones d'activité industrielle et logistique et de services comme la deuxième zone économique spéciale dans le monde, après la zone de Dubaï, et devant des zones un peu atones depuis quelques années, qui ne se développent plus, qui n'ont plus les croissances que nous connaissons à Tanger et dans la
comme en Pologne ou même à Shanghai. Donc, il y a un groupe aujourd'hui au Maroc qui essaye de consolider son positionnement sur l'aspect technologique en s'appuyant sur l'avance qui a été prise sur l'aspect portuaire et sur l'aspect zone industrielle. Cet onshore, c'est notre seul projet aujourd'hui dédié aux activités d'offshoring et de nearshoring au sens large du terme. Et nous cherchons à travers cet ensemble de bureaux et d'espaces de travail dans les meilleurs standards de la profession que nous avons à Tétouan, c'est à peu près 20-25 000 mètres carrés, nous essayons de générer une sorte de noyau dur. Donc, Monsieur Fred va venir un peu plus tard pour en parler, autour de quelques acteurs de référence. Et nous avons la chance, effectivement, d'ores et déjà, d'avoir des acteurs de renom comme Everis, comme ISA, comme AKA. Je ne sais pas si M. Mimoun en parlera un peu plus, comme AKA aussi, qui se sont installés au fur et à mesure ces dernières années et sur lesquels nous portons beaucoup d'espoir pour développer, j'espère, une zone d'activité technologique, de services et de prestations intellectuelles de toute nature dans la région de Tétouan et précisément à côté de Cabonigo. Voilà. D'accord. Alors, justement, on aura l'occasion tout à l'heure d'entendre directement le témoignage de M. Fred Sbah, directeur d'Everis, qui est une entreprise implantée au sein de Tétouan Shore avec d'autres acteurs. Et là, je m'adresse aussi. Un très beau projet, hein, Everis à Tétouan. Il en parlera certainement, un très beau projet. Parfait. Donc, on aura justement l'occasion d'entendre directement Sbah dans un instant. Alors là, je m'adresse à Citezi. Donc, toujours dans cette stratégie de régionalisation, vous nous avez déjà donné un petit aperçu tout à l'heure lors du mot d'ouverture. Le centre régional d'investissement, c'est un acteur clé. C'est la rotule sur laquelle tourne toute la stratégie de régionalisation. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour être attractif et inciter les acteurs à s'implanter au sein des régions, telles que la région Fès-Meknès justement? Merci. Alors, juste redire peut-être bonjour à toutes les personnes présentes avec nous aujourd'hui, qui sont connectées, à nos intervenants. C'est toujours un plaisir d'échanger sur un secteur qui est très important, en tout cas pour la région Fès-Meknès, et qui a justement de très belles possibilités d'avenir. Alors, peut-être juste commencer par rappeler un point important, c'est que la réforme des centres régionaux d'investissement qui a été portée par la loi 47-18 et qui a été initiée suite aux très hautes orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, est venue justement avec la volonté d'apporter une rupture et de replacer le centre régional d'investissement au cœur de la stratégie de développement économique au sein des régions. Alors, concrètement, la réforme a apporté un certain nombre de changements importants en termes de réorganisation des CRI, en termes de process, en termes d'offres de services, en termes d'outils. On parle de la digitalisation. Vous savez très bien aussi que l'administration se digitalise et qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses plateformes digitales aujourd'hui au service des investisseurs, au service des citoyens, qui rentrent dans cette logique de digitalisation et de simplification des procédures. On peut citer la plateforme Rojas, on peut citer le bureau d'or digital, on peut citer surtout la plateforme CRI Invest aujourd'hui, qui est le canal digital de traitement des dossiers d'investissement au niveau de chaque région, et qui a été déployé depuis à peu près un an avec des efforts et des résultats très, très encourageants et qui marquent une nette amélioration en termes d'indicateurs de performance par rapport aux années précédentes et avec une expérience utilisateur améliorée. On parle de nouveaux services digitaux, on parle de la possibilité de suivre pour l'investisseur son dossier de bout en bout en toute transparence, dans le respect des délais, avec de nouvelles fonctionnalités développées et déployées au fur et à mesure. Donc, la digitalisation nous concerne tous. Juste pour finir, peut-être par rapport au rôle et aux missions et aux prérogatives des CRI qui ont été élargies, le CRI aujourd'hui a l'objectif d'accompagner les investisseurs de bout en bout, de proposer un accompagnement 360 degrés, donc à chaque étape d'un projet, que ce soit à un moment où l'investisseur se pose encore la question justement en termes d'opportunités au niveau des régions, en termes de besoins de data, d'informations, quelles sont les zones industrielles, y a-t-il encore de la disponibilité, quels sont les prix, quelles sont les incitations qui existent. Donc tout ça,
ce travail d'information, de mise à disposition de l'information et de la data est essentiel. Et, ça, et c'est une des missions principales des CRI. Bien évidemment, il y a d'autres missions comme le règlement à l'amiable des différends qui peuvent exister entre les investisseurs et les différentes administrations, et surtout un effort important en termes de promotion de l'offre territoriale et d'impulsion économique. Aujourd'hui, les CRI ont pour mission de marketer le territoire justement pour montrer justement les différentes opportunités qui existent. Chaque région a sa spécificité, chaque région a son potentiel. Donc, c'est à nous justement de bien sûr en coordination avec l'ensemble de nos partenaires et des services concernés, de mettre en avant justement ces différentes opportunités d'investissement, de les marketer et d'être capable justement de proposer des stratégies attractives pour drainer de nouveaux investissements et participer au développement économique des régions. Donc, c'est un peu l'émission du CRI. Et alors aujourd'hui, justement, notre rôle, on va prendre l'exemple aujourd'hui de l'offshoring, est justement d'être capable d'attirer de nouveaux investisseurs en leur mettant à disposition l'information nécessaire par rapport au secteur de l'offshoring. Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les structures d'accompagnement? Quelles sont les plateformes dédiées? Quelles sont les incitations existantes? Donc tout ça, ce sont des efforts et un exercice qui est fait aujourd'hui par les CRI avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème au niveau régional, mais également à l'international, au niveau national, pour justement vulgariser l'information, mettre en place les stratégies qu'il faut justement pour drainer les investisseurs et les accompagner à la réalisation de leurs projets. C'est vrai que l'accès à l'information, il était compliqué, je pense, avec toute cette transformation, cette digitalisation qui va permettre l'accès à l'information. Et ça rejoint le projet Data for All dont Amin Zarouk a parlé tout à l'heure. C'est l'accessibilité à l'information, la vulgarisation de l'information, la simplicité de l'information qui permettra aux différents acteurs de choisir de s'implanter dans telle ou telle région. Alors ça tombe bien parce que nous avons avec nous le témoignage de deux entreprises qui ont fait le choix de s'implanter dans des régions hors l'axe Casa-Rabat. Et là, je m'adresse justement à M. Fred Sbah, directeur de Evris Maroc. Est-ce que vous nous entendez, M. Sbah? Oui, tout à fait, je vous entends très bien. Et vous? Alors, vous êtes un exemple concret d'une entreprise qui a fait le choix de s'implanter hors l'axe Rabat-Casa, et plus exactement à Tetouan-Chor. Pourquoi, M. Sbah? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à s'implanter dans cette région? Très bien. Tout d'abord, merci à la PBI, merci aux organisateurs de nous joindre à cette initiative. Nous sommes contents de participer et personnellement très ravis de pouvoir apporter notre vision des choses depuis le Nord. Pour nous, la régionalisation, c'est un sujet qui nous parle. C'est quelque chose que nous avons abordé déjà dès 2015, justement depuis notre arrivée dans la région de Tétouan, donc au niveau de Tétouan-Chor. Après une étude des différentes localisations offshore du Maroc pour décider finalement de nous implanter au nord. Évidemment, pour des raisons géographiques, car la société Veris est une société hispano-japonaise et donc notre principal donneur d'ordre aujourd'hui est l'Espagne. Mais nous avons également des clients basés en Hollande, en Suisse, en Belgique, donc aussi avec une demande anglophone. Ce qui a fait que notre positionnement a été plutôt de nous orienter sur un marché hispano-file, disons, plutôt avec une connotation de personnes qui parlent espagnol, avec un très bon niveau d'anglais aussi, et avec une proximité géographique avec l'Espagne importante. Tout ça en combinant d'avoir la possibilité de bénéficier d'une bonne infrastructure en termes de parc, comme était Tronchor, qui nous a aidés également au niveau administratif, au niveau de l'installation dans les locaux et de l'obtention également de la mise en place des accords et des subventions. Donc, c'est vrai que le Nord, aujourd'hui, c'est une région qui a beaucoup changé depuis. Bon, nous avons vu la croissance incontournable du port de Tangemed, le lancement du Borac, donc, qui a permis également de développer la région de Tanger. Nous, aujourd'hui, nous avons misé aussi non seulement sur le recrutement de ressources locales, qui était aussi un des critères importants d'avoir un bon vivier d'étudiants formés dans la région, qui jusqu'à présent devaient émigrer pour pouvoir travailler ou continuer leurs études. Aujourd'hui,
C'était aussi un avantage d'avoir des universités comme l'ENSA, la Faculté des sciences de Tétouan, l'OFPPT pour nous fournir des ressources qui sont bien préparées au niveau technique. Alors, actuellement, vous êtes combien, M. Sbah, chez Evris? Alors, aujourd'hui, nous sommes près de 200 personnes, 200 professionnels. Notre objectif est d'arriver à 500 personnes dans les trois prochaines années. Et si bien il était assez facile de recruter des jeunes lauréats, donc justement pour le manque d'opportunités locales, car aujourd'hui, nous sommes le premier employeur IT du Nord. Le challenge était aussi d'attirer des ressources expérimentées au niveau de la région. Donc, nous avons dû faire preuve également d'innovation, de mettre en place des mesures aussi de flexibilité. Le télétravail était déjà quelque chose, pas à 100%, mais que nous avons déjà mis en place auparavant. Et donc, nous avons attiré des personnes qui étaient originaires de la région, qui ont souhaité revenir, se rapprocher de leur famille, mais aussi des personnes qui n'étaient pas de la région, des couples, par exemple, qui recherchaient une meilleure qualité de vie, tout en maintenant des opportunités de développement de carrière dans une multinationale. Et je pense aujourd'hui, avec le recul, nous sommes très contents d'avoir pris cette décision de nous installer au Nord. Nous souhaitons grandir. Après, nous avons lancé aussi un programme de ce qu'on appelle le Smart Working, qui nous permet aujourd'hui de travailler à distance depuis n'importe quelle ville. Donc, je pense que cette pandémie nous a apporté de mauvaises choses, mais en même temps, pour l'offshore, a apporté aussi des avantages. En termes de... Bon, nous avons mis en place des barrières sanitaires qui nous ont un petit peu éloignés de nos collaborateurs ou de nos équipes, mais finalement, ça nous a permis également de nous rapprocher de nos clients et de nos donneurs d'ordre. Donc, au bout du compte, on voit l'offshore aujourd'hui comme quelque chose de plus facile à mettre en place. Je pense que c'est une aubaine pour nous. C'était marocaine qui avons la marge de croissance et de pouvoir obtenir de nouveaux contrats grâce à ce nouveau modèle de collaboration. Alors, 200 personnes avec une prévision de croissance de 500 personnes à horizon de 3 ans. Donc, la spécificité de la région, comme vous travaillez avec un marché espagnol, donc la région offre un bassin RH avec une connaissance de la langue espagnole, donc un parfait matching avec l'infrastructure qui existe au sein de Tétouan Shore. Alors, là, je m'adresse à Sebelalil Ansari en tant que directeur général adjoint de CGI. CGI qui est implanté sur les trois régions, Rabat, Casa, Fès. Donc, Sebelalil, pourquoi le choix de Fès? Est-ce que vous nous entendez, Sebelalil? Je vous entends très bien. Et vous? On vous entend très bien. Donc, pourquoi Parfait. Le choix de la région de Fès? Bah, tout d'abord, à mon tour, je voulais effectivement aussi vous remercier par rapport à cette possibilité de faire un témoignage au nom de CGI au sein de ce webinaire. Pourquoi Fès? En fait, l'histoire de CGI est un peu différente de celle d'Evris dans la mesure où effectivement nous étions présents au Maroc depuis 2004-2005, d'abord à Rabat, pour ensuite, deux années après, nous installer également à Casa. Donc nous avons pendant une bonne dizaine d'années, nous sommes restés sur ces deux localités, tout en ayant cette réflexion de nous élargir vers un troisième site le moment opportun. Et effectivement, plusieurs options étaient sur la table. Nous avons, fait le choix de Fès grâce à, aux partenaires qui nous ont accompagnés dans cette démarche, qui ont été nombreux d'ailleurs. Pour en citer quelques-uns, nous avons, il y a Medzed, bien entendu, pour avoir expérimenté le site de Technopolis et le Casa Nershore, il était tout naturel d'envisager un troisième site dans lequel notre partenaire était également présent, mais également la région de Fès, l'ANAPEC, le CRI, tous ces acteurs nous ont, accompagnés dans cette réflexion, nous ont alimenté en informations et tout naturellement, le choix a été fait pour démarrer. Nous avons démarré à Fès en janvier 2017 parce que nous croyons également à la régionalisation. Un troisième site au Maroc pour CGI, ça fait partie aussi du modèle. L'entreprise dispose de plus de 400
bureaux au niveau mondial répartis sur l'ensemble des géographies. Donc, il était tout naturel qu'on puisse aussi jouer ce rôle-là au niveau du Maroc et participer à cette régionalisation pour profiter du bassin d'emploi qu'offre cette région, qui est un bassin d'emploi riche. Nous avons également, à travers ces échanges, pu conforter nos sentiments, nos réflexions dans la mesure où il y a eu, par exemple, un sondage qui avait été fait au niveau des profils IT qui émanaient de cette région. Et on a clairement observé que, bien entendu, 85% à peu près des lauréats des écoles de la région partaient forcément vers l'axe Casaraba pour trouver un emploi. Et ces personnes-là, un panel avait été interrogé sur leur... sur la possibilité éventuellement de revenir sur la région si une opportunité leur a été offerte. Et on a été effectivement agréablement surpris de voir que plus de 70% des personnes répondaient favorablement à ce souhait-là. Et donc, tout naturellement, nous avons fait ce pari, nous y avons cru, et voilà, nous sommes aujourd'hui installés sur le site de Fashore depuis janvier 2017. Parfait, Seb Lali. Alors, comme on a dit initialement par l'ensemble des panélistes, certaines habitudes changent, certaines manières de faire changent. Il y a de nouveaux besoins pour accompagner ces challenges. On parle du télétravail, on parle de la formation à distance. Et là, je m'adresse à Samir Graoui. Vous êtes Business Development Director de MedZ. Vous êtes en contact permanent avec les entreprises qui souhaitent s'installer au niveau des plateformes offshore, que ce soit Casashore, Abashore, Festshore. Vous êtes proche des problématiques des entreprises. Alors, avant peut-être de parler de comment les dispositifs se sont alignés, quels sont les dispositifs actuels justement qui sont offerts pour accompagner les entreprises pour s'installer au sein de ces plateformes? Tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais revenir un petit peu à l'histoire, puisque je rappelle en 2016, il y a eu la signature d'un contrat programme entre l'État marocain et je dirais la profession, représentée par les associations professionnelles, la PBI, la MRC, TMSA et le groupe CDG. Et l'objectif de ce contrat programme était de se définir une feuille de route sur la période 2016-2020, quel positionnement on pourrait avoir, combien d'emplois on pourrait créer et avec quels moyens. Donc, parmi les grandes lignes, je dirais, de ce contrat programme, il y a une volonté, je dirais, d'aller vers beaucoup plus vers de la valeur ajoutée. Quand je parle de la valeur ajoutée, ça concerne l'ensemble des métiers. Deuxième élément, et c'est une première, c'est que nous avons introduit ce qu'on appelle les écosystèmes. Dans le secteur de l'offshoring, il y a de l'IT, il y a la relation client, le BPO, l'ingénierie et le KPO. Chaque métier ou chaque écosystème a ses propres spécificités. Il était important de pouvoir accompagner chaque écosystème pour qu'il puisse un petit peu atteindre ses objectifs. Donc, ça a été une première fois que nous avons des objectifs par écosystème. Autre élément important, c'est que l'objectif qu'on s'était fixé en 2016, c'était de créer 60 000 emplois, ce qui veut dire doubler le nombre d'emplois créés en l'espace de 5 ans. À côté de cela, nous avons également créé ce qu'on appelle la structure d'animation composée avec les différents acteurs de la profession de manière à pouvoir suivre et piloter ce programme. Pour pouvoir atteindre l'ensemble de ces objectifs, l'État marocain a mis des moyens importants pour accompagner le secteur et les différents acteurs. Je ne vais pas revenir un petit peu sur les détails de ces mesures, mais il y a des mesures qui traitent sur la partie formation avec des subventions. Il y a également des mesures sur la partie subvention de l'IR, prime à la croissance, etc. Alors aujourd'hui, on va dire qu'on est à peu près à 2 semaines de l'arrivée à échéance de ces mesures. Où est-ce qu'on est ? On sait très bien qu'aujourd'hui, qu'on a eu une année difficile, l'année 2020. Le secteur de l'offshoring a été un secteur résilient et ce sont parmi les rares secteurs à se montrer résilient dans le contexte actuel. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le secteur a pu préserver l'ensemble de ses emplois. À côté de cela, l'objectif fixé, j'irais de créer les 60 000 emplois additionnels, malgré le contexte actuel, c'est qu'il a été atteint. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 120 000 emplois. Au niveau du chiffre d'affaires à l'export, donc on attend les chiffres officiels, mais d'après les estimations, on devrait situer à peu près entre 13 et 14 milliards de dirhams. Ça veut dire aujourd'hui, on garde le chiffre d'affaires à l'export qui était réalisé en 2019. Alors,
Donc ça, c'est par rapport, les objectifs sont atteints, de ce que je comprends aussi, malgré la difficulté du contexte. Comme j'ai pu citer initialement, les besoins des entreprises se transforment par rapport à ces nouveaux challenges. Dans quelle mesure les dispositifs d'accompagnement vont se transformer pour accompagner les challenges et les nouveaux besoins des entreprises pour mieux capter les opportunités qui étaient citées auparavant? Alors justement, au niveau de la structure animation offshoring, depuis à peu près 5-6 mois, nous avons organisé des groupes de travail et des ateliers avec les différents acteurs pour faire un bilan sur ce qui a été réalisé par rapport aujourd'hui au contexte actuel et les impacts, comment on peut un petit peu se positionner sur les 3 prochaines ou les 4 prochaines années. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les mesures aujourd'hui, la nouvelle feuille de route, elle est pratiquement quasiment finalisée. Elle sera soumise au ministère de tutelle. L'objectif aujourd'hui est de consolider la position du Maroc, de continuer, je dirais, sur notre rythme de croissance. L'idée est de garder les mesures actuelles, mais introduire de nouveaux dispositifs pour tenir compte du contexte actuel. Parmi les nouvelles mesures qu'on souhaite introduire, il s'agit un petit peu de faire contribuer davantage les régions dont gérer cette dynamique de croissance. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les différents pays concurrents, je cite par exemple l'exemple de l'Inde ou la Pologne, aujourd'hui, on trouve une vraie dynamique de croissance de l'offshoring dans les différentes régions de ces pays-là. Donc l'idée, c'est d'avoir des mesures spécifiques à des régions de manière à créer un vrai différentiel dans la structure de coûts entre, on va dire, l'axe Casaraba et les autres régions du Royaume. Autre élément qu'on souhaite également introduire, c'est de pouvoir digitaliser un petit peu tout le processus de suivi et de remboursement un petit peu des mesures déployées et octroyées par l'État marocain. Comme la dynamique qui a été citée par Citesi auparavant, cette digitalisation qui est, je pense, elle va faciliter l'accès à beaucoup de choses, l'accès à la data, l'accès au processus, l'accessibilité, et c'est l'un des leviers justement d'accompagnement que recherchent les entreprises actuellement. Alors pour synthétiser, donc moi ce que je retiens à travers dans l'ensemble de vos interventions, c'est qu'on est sur un secteur à forte compétitivité, on n'est pas les seuls. L'Asie et les autres pays maintenant au niveau de l'Afrique commencent à être de forts concurrents. On a des opportunités à saisir comme cela a été cité par la SRI. Il faut faire vite, on a des cartes à jouer, on a des régions avec des spécificités. On a vu un exemple concret d'Evris qui a pu exploiter entre guillemets la spécificité de la région avec la maîtrise de la langue espagnole, avec le bassin RH offert. La région de Fès également, et avec tous les exemples qui ont été cités et les actions menées au niveau du Centre régional d'investissement. Donc, beaucoup de choses positives. Il n'y a plus qu'à. La signature du mémorandum d'aujourd'hui est un premier pas. Et je vous remercie. Par contre, je rappelle que l'événement est suivi en ligne. On va ouvrir le bal aux questions. Donc, et j'ai déjà reçu des questions. Que je vais poser à nos chers panélistes. On va commencer par les questions les plus simples. Question très simple, et là je m'adresse à vous, Citesi, est-ce que, Tesi ou d'ailleurs c'est Graoui, est-ce que Meknès aura son propre genre à l'issue, comme Fès? Bon, je dirais peut-être un mot sur Fachor et je dirais le travail qui a été fait par le groupe CDG. C'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on avait commencé en 2008 avec l'axe Casaraba, de manière à asseoir un petit peu l'offre de valeur. En 2013, le groupe CDG a décidé de régionaliser un petit peu son modèle. Donc, et la première, je dirais, expérience réussie avec l'ouverture de Fachor, qui, je rappelle, a été lancée en 2013. 2013 a été une année de crise financière. Malgré le contexte, le groupe a maintenu sa décision d'ouvrir le parc de Fachor. Fachor, aujourd'hui, est une réussite. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 30 000 m² d'espace bureau développé. On compte à peu près 2 000 emplois. Et l'objectif avec cette extension qui a été livrée en avril, c'est de pouvoir, je dirais, doubler la capacité. Un mot aussi important sur la ville de Fès et la région, c'est que c'est la première région aujourd'hui qui a mis en place une mesure spécifique à la région, en plus des mesures qui ont, je dirais, déployées par le ministère de l'Industrie.
Donc, on gérait l'ensemble des clients qui optent ou qui choisissent d'investir, gérer dans la ville de Fès, ont droit à une prime à l'emploi qui est à peu près de 6 000 dirhams par emploi pour créer, et c'est une première. Donc, c'est à travers ces types de mesures qu'on arrive à créer une vraie différenciation de coûts entre, on va dire, d'un côté l'axe Casaraba et les différentes régions du royaume. Pour revenir un petit peu à votre question, c'est qu'aujourd'hui, le parc de Fès Shore, c'est un parc de la région. Donc aujourd'hui, il y a bien des salariés de la ville de Meknès qui viennent aujourd'hui travailler dans le parc de Fès Shore. Donc aujourd'hui, on est dans une logique de régionalisation. Maintenant, le parc de Fès Shore, ce n'est pas uniquement, on va dire, les 30 000 m² que nous avons développés. Nous avons un potentiel de 100 000 m². Donc, on peut encore multiplier par 3 la capacité actuelle. Et je pense que la région aujourd'hui, aussi bien fait que Meknès, nous avons, je dirais, un bon parc pour pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes, aussi bien ceux de Fès que de la ville de Meknès. Alors, en parlant chiffres, quel est le chiffre des personnes qui travaillent dans le secteur de l'offshoring dans la région Fès-Meknès, Sitasi ou Silgraoui? Juste peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. La question qu'on va se poser aujourd'hui, et je pense que ça a été évoqué par un de nos intervenants, je suis acteur de l'offshoring, qu'est-ce qui va faire pencher la balance pour que je vienne m'installer dans une région plutôt qu'une autre? Question très pratique, pragmatique. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 grands leviers, en tout cas, ou trois grands axes sur lesquels il faut jouer. Le premier, c'est avant tout le capital humain. On en a parlé tout à l'heure, c'est essentiel. Je vais reparler de la région Fès-Meknès parce que je me dois d'être l'avocat de la région. Mais aujourd'hui, au niveau de la région Fès-Meknès, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, 5 universités de renommée, c'est à peu près 160 000 étudiants formés chaque année. C'est des établissements de formation professionnelle, dont un institut spécialisé dans les métiers de l'offshoring qui forme à peu près 1500 stagiaires par an. Donc, première chose, c'est si la région dispose d'un capital humain formé, performant, qualifié, c'est un avantage indéniable. Deuxième grand point sur lequel il faut s'attarder, c'est le volet infrastructure, bien évidemment. On vient d'évoquer le cas de Fès Shore, qui est un parc intégré magnifique, qui offre 25 000 m² de plateaux bureaux sur un terrain de 20 hectares, avec des services world class, on en a parlé tout à l'heure, aux meilleures normes et standards internationaux, mais c'est avant tout aussi un cadre de vie. Ce n'est pas qu'un lieu de travail, c'est un cadre de vie avec de nombreux services, le gardiennage, la restauration des espaces verts. Donc, c'est un cadre propice qui jouit d'une situation géographique excellente puisque c'est à proximité des grands axes routiers, de l'aéroport Fès-Seyss, du centre de Fès, donc à des prix attractifs. Je ne sais pas si on peut évoquer, mais il faut le dire. La première tranche, ça a été évoqué, deux tranches ont été mises en place dans le cadre de Fès Shore. La première tranche sur 13 000 m² qui a été louée à 75 dirhams le mètre carré, si je ne dis pas de bêtises. Donc un prix attractif. La deuxième tranche aujourd'hui qui est en cours de commercialisation, n'est-ce pas? Voilà, le premier client, je pense que ça, il faut l'annoncer aussi, c'est important. La deuxième tranche sur 12 000 m² est en cours de commercialisation. Donc, il y a une dynamique qui est positive et ça, c'est important de le noter. Troisième grand axe, à mon sens, c'est effectivement le package incitatif. Ça vient d'être évoqué. Il y a bien sûr des incitations qui ont été mises en place par le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique dans le cadre du plan d'accélération industrielle pour les différents écosystèmes de l'offshoring. On parle de subventions à l'investissement à travers le fonds de développement industriel, le fonds de promotion des investissements. On parle d'aide à la formation puisqu'il y a des mécanismes de remboursement, de formation ou d'appui à la certification de ressources humaines. On parle d'incitation fiscale, puisqu'il y a une exonération sur les cotisations sociales pour une durée de 24 mois, CNSS hier, et sur l'IS pour une durée de 5 ans. Ça, c'est le dispositif au niveau national déployé. Mais effectivement, la région a aussi fait un effort. Et il a été mis en place une prime à l'emploi dans le cadre d'une convention entre la Wilaya de la région Fès-Meknès, le conseil de la région, la commune de Fès, MedZ et le CRI, et qui offre 6 000 dirhams par emploi créé par les acteurs de l'offshoring. Donc, bien sûr, il y a des conditions. Et j'invite aujourd'hui d'ailleurs tous les investisseurs intéressés à s'installer dans la région Fès-Meknès à contacter le CRI pour justement voir quelles sont les conditions d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de la prime. Mais c'est des choses qui existent aujourd'hui. Nous avons de grands acteurs de l'offshoring au niveau de la région qui ont pu en bénéficier. Et ça a permis justement d'être un levier ou en tout cas un argument supplémentaire pour attirer de nouveaux investissements. Donc, pour revenir à la question, parce qu'on s'est un peu éloigné, aujourd'hui, il y a une dynamique positive au niveau de la région Fès-Meknès. Il y a un
parcs intégrés aux meilleures normes qui offrent encore de la disponibilité. Je pense aussi qu'il y a une étude de besoin qui doit être faite avant de décider ou pas de la mise en place d'un nouveau Meknès Shor éventuellement dans un avenir proche. Et c'est ce qu'on espère. Si on continue sur cette dynamique-là, ben, pourquoi pas, si le besoin est identifié, pourquoi pas procéder effectivement à de nouvelles infrastructures. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut déjà... Il y a de l'offre au niveau de l'infrastructure existante. Il faut, je pense, aller dans ce sens-là avant de réfléchir à de nouvelles extensions. Merci Sitiazi, merci Silgraoui. Alors, une autre question par rapport à la relation et les partenariats avec les universités, puisqu'on parle du bassin RH, et là peut-être je m'adresse à nos panélistes qui sont dans la région du Nord. Quelles actions concrètes ont été entreprises entre les différents acteurs, que ce soit industriels, entreprises, autorités locales et avec les universités pour pouvoir s'aligner aux demandes et aux opportunités post-Covid. Simrardi ou M. Sbah? Je peux commencer si vous souhaitez. Allez-y. Je pense effectivement il y a un rapprochement qui s'effectue de façon naturelle, encore plus quand on est dans une région, dans une grande métropole comme Casa ou Rabat. On est très proche des universités, des écoles, il y a une meilleure connaissance du bassin et du vivier local. Et ce qui est en même temps l'avantage est que ces universités sont davantage à l'écoute pour préparer les lauréats aux besoins du marché. Donc nous sommes en mesure de préparer, de former des ressources que nous allons recruter par la suite. Donc il y a une motivation et les étudiants voient un débouché naturel à la finalisation de leurs études. Mais en même temps, par exemple, ce qui était le cas, une convention que nous avons signée avec la faculté des sciences de Tétouan, nous avons reconverti des ingénieurs, des scientifiques qui n'étaient pas informaticiens, mais leur avons donné l'opportunité de se recycler et avec une formation commune, avons pu ensuite les intégrer sur des technologies moins pointues, disons, mais également recherchées sur le marché. Donc, je dirais qu'il y a davantage de relations avec les universités, une meilleure préparation des étudiants. On exprime aussi les besoins non seulement techniques, mais au niveau soft skills ou linguistiques qui sont générés au niveau de ces écoles et elles-mêmes sont très réceptives également au niveau de l'ANAPEC pour nous préparer des ressources bien formées et prêtes à être embauchées, disons. Donc, c'est des partenariats, des reconversions si nécessaire par rapport au bassin RH existant pour s'adapter aux besoins des entreprises locales. Alors là, j'ai une autre question, et là je m'adresse plus à M. Lasseri. Dans quelle mesure, on en a parlé au début, mais on peut avoir un exemple concret de témoignage de l'entreprise Altran. Dans quelle mesure la crise Covid a impacté les modes de fonctionnement, la manière de travail dans le today au sein d'Altran, c'est Lasseri? Merci, je pense que merci beaucoup pour cette question et la plupart de mes collègues diraient la même chose. En fait, on a vu un changement majeur. Nous, on était à 100% de personnes qui étaient en présentiel et juste après, donc le 17 mars, juste un petit peu avant le confinement, nous avons décidé de passer massivement en télétravail. Et certains de mes collègues ici sont à 100%. Nous avons choisi un télétravail à 75% généralisé. Ça veut dire que nos équipes sont sur le site une semaine par mois, jamais au même temps, pour permettre de travailler le plus longtemps possible tout en gardant le lien social. Alors, ça m'amène aussi un changement phénoménal, c'est que ces changements ont eu lieu chez nous, au Maroc, dans notre entreprise, mais ils ont aussi lieu chez les donneurs d'ordre au niveau international. Et que le client qui était à Stuttgart, à Paris, à Vélizy, et qui insistait pour avoir son acteur de l'offshore ou son acteur ingénieur à côté de lui, bah aujourd'hui lui-même se retrouve avec en télétravail et lui-même habitué ou contraint de travailler en télétravail avec ses collègues. Et donc, de facto, les changements ont lieu chez nos clients, mais ils ont également lieu de façon phénoménale chez nous. Et donc, ça, c'est un élément important, puisque c'est aussi des opportunités que l'on a à capter. Et je tiens à saluer
de manière globale, hein, l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs qui ont de l'entreprise et qui ont su être très agiles. Et je sais aussi que chez les collègues, c'était pareil. Donc, vraiment, un gros, gros effort qui a été effectué parce que, quelque part, au-delà de mon entreprise, à chaque fois qu'on réussit quelque chose, c'est tout le secteur qui en bénéficie. À chaque fois que quelqu'un rate quelque chose, c'est tout le secteur qui rate. Hein. Donc, quand on est au niveau des donneurs d'ordre, le fait que les Marocains ont réussi à tenir leurs engagements de manière globale, à ne pas être dans une logique d'excuse, à être très professionnel, à réussir ces différents engagements. Alors aujourd'hui, ça fait que la place marocaine, avec cette crise-là, à mon sens, s'en sort renforcée. Et l'ensemble des entreprises qui sont dans le secteur ont pu voir que les Marocains, leur qualité et leur agilité a été louée. On a su tous intelligemment être suffisamment flexible, et ce n'était pas quelque chose qui était habituel, pour naviguer à travers cette crise-là. Et donc, vraiment, un grand, grand chapeau à tous les professionnels du secteur qui ont réussi à échanger les bonnes pratiques, travailler ensemble et faire en sorte que ce télétravail, que ce flex-work devienne une opportunité. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on imaginait impossibles à un certain moment sont devenues possibles à l'instant. Le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient cette résistance, s'imaginaient pas de passer en télétravail. Elles le sont aujourd'hui. Et c'est un exemple de pratique ça permet de levier de flexibilité pour les entreprises pour pouvoir s'implanter dans d'autres régions, comme l'a spécifié tout à l'heure M. Sbah, des managers qui travaillent à distance, etc. Moi, j'ai une question sur l'intelligence artificielle, et là, je me tourne vers vous, Chéri. En tant que président du pôle offshoring, quel est le rôle de la PEBI justement pour accompagner les métiers et l'écosystème qui sont liés à l'intelligence artificielle? C'est une question qui m'a été posée. L'intelligence artificielle. Exact. Voilà, ça fait juste partie des nouvelles tendances des 5 écosystèmes, en fait, tout simplement. Il y en a qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Les métiers vont se transformer. Donc, d'après des études, on est en train de dire qu'il y a au moins 25% de nos métiers vont subir un certain changement, évolution entre les 5 et les 7 années à venir. D'autres métiers vont être fortement, le métier va être fortement, on va dire, adapté. Si je peux parler par exemple du métier CRM, hein, on va passer peut-être de CRM tout court à CRM 2.0, parce que l'intelligence artificielle va faire beaucoup évoluer en fait ce métier-là. Et donc, c'est aussi des parts de marché à avoir. Il y a certainement un certain nombre d'emplois, enfin, juste pour donner en fait des chiffres aussi de la part de plusieurs études, ils disent pour 20 emplois perdus, il y aura 12 nouveaux emplois qui vont apparaître, mais des emplois plutôt à plus forte valeur ajoutée. Encore, comme je disais tout à l'heure, notre marché, il est tellement minime, ça représente peut-être 1,2, 1,3 de la taille du marché mondial. Donc, en investissant aujourd'hui sur les nouvelles tendances technologiques, l'intelligence artificielle, le chatbot et d'autres, même sur l'industrie 4.0, on est juste en train de nous préparer à capter d'autres marchés en fait dans le futur. Et la composante ressources humaines qui a été citée ou recitée par plusieurs de nos collègues ici, c'est un élément clé aussi pour pouvoir capter en fait ce nouveau marché. Donc comment faire? Enfin, la PEBI autant que Enabler en fait de digital sur le marché marocain, nous travaillons et nous allons travailler pareil avec les différents écosystèmes pour préparer les technologies de demain. Aujourd'hui, ce sont des tendances. Il y a un certain nombre de séminaires qui se font. Il y a un certain nombre de formations dédiées sur l'intelligence artificielle qui sont amenées. Il y en a encore une, sur les 2 dernières semaines, il y avait des formations complètement dédiées organisées par un certain nombre d'organismes
locaux, mais en partenariat avec d'autres étrangers. Il y a les startups aussi qui travaillent sur un certain nombre de secteurs complètement innovants et dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actions, je dirais pas isolées, mais pas forcément complètement intégrées. C'est juste pour aller plus loin. L'objectif, c'est de pouvoir faire intégrer l'ensemble de ces actions et la PB elle sera là pour pouvoir fédérer ces différentes actions et que ça soit un des moteurs de croissance demain de l'ensemble des écosystèmes. Merci, Simi Moun. Alors, je me tourne vers les personnes présentes ici en salle. Je ne sais pas s'il y a des questions en salle. Juste, peut-être compléter si tu as dit, oui. Non, c'est parce que c'est effectivement une question très intéressante et juste peut-être pour donner une information. La première école d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle a ouvert à Fès en 2020. C'est la première au Maroc et la première en Afrique. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est important. Vous parliez tout à l'heure des synergies entre les universités et les acteurs de l'écosystème. Bah, typiquement, ça, c'est un exemple concret. C'est-à-dire que l'ouverture de cette école vient effectivement en réponse à des besoins identifiés et remontés peut-être par les acteurs des opérateurs de l'offshoring. Et donc aujourd'hui, c'est une réponse concrète justement qui permettra d'apporter une valeur ajoutée en termes d'expertise, en termes de compétences. Et donc, c'était juste pour montrer, illustrer avec un exemple concret comme quoi aujourd'hui, ces synergies entre les universités et les opérateurs existent. Cette LEDIA, donc l'école d'ingénieurs, d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle, en est un exemple concret. Juste pour... Merci, Sitadi. Question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, une question intéressante sur les coûts du télécom dans ce processus d'accompagnement. Justement, il y a beaucoup d'entreprises qui se plaignent du coût élevé télécom. Est-ce qu'il y a des mesures justement pour pallier à cette problématique de coût? Question compliquée. Alors j'aurais souhaité qu'on ait un acteur, un opérateur télécom pour répondre directement, mais c'est vrai que c'est une problématique, je pense, il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent entre guillemets de coûts télécom. Simon, peut-être un mot sur le sujet? Enfin, juste pour conforter peut-être la question, effectivement aujourd'hui, la partie télécom vient juste après la partie locaux, on va dire sur la partie EGNE des coûts de l'entreprise. On a fait donc une étude, donc un benchmark donc par une partie très représentative de l'écosystème offshore. On couvrait à peu près 55%, on va dire, de l'ensemble des sociétés offshore, en fait. Cette étude, elle est très récente. Effectivement, le coût de télécom, il revenait très souvent. Et les acteurs marocains, donc ils comparent aujourd'hui le coût de télécom donc par rapport à d'autres destinations offshore, mais également par rapport à l'Europe. Effectivement, c'est un sujet. Donc, il est étalé, il est remonté, il est traité dans la structure, donc la SAO, la structure d'animation offshoring. C'est là qu'on anime, en fait, et on fédère l'ensemble des acteurs offshore. Donc, c'est une doléance, enfin, une doléance qui est remontée, qui est traitée. Moi, juste pour vous donner peut-être quelques éléments là-dessus, comparativement, en fait, à l'Europe, on n'est pas très loin. Enfin, les prix ne sont pas nettement moins chers. Par rapport à d'autres destinations, ils sont beaucoup plus chers. Et si je fais, par contre, juste un petit focus sur le Covid, j'ai envie quand même de dire que nous avons une infra très solide. Elle est chère, mais elle est très solide. Aujourd'hui, comme il le disait tout à l'heure, c'est la CD sur la partie Covid. Si nous avons réussi à basculer presque, et je dirais presque du jour au lendemain, vers un télétravail à 100% et qui a tenu ses objectifs en termes de productivité et de qualité délivrable, c'est grâce au volet télécom. Je donne quand même deux exemples. L'Inde, que je disais tout à l'heure, c'est la première destination offshore. 75% des compétences numériques mondiales se trouvent en Inde, juste pour vous dire. Il le disait Célia tout à l'heure, une seule société aujourd'hui externalise en Inde plus que toute la partie offshore au niveau du Maroc.
quand même, l'Inde a beaucoup, beaucoup souffert de la crise sanitaire. Beaucoup d'emplois ont été perdus, 30 000 déjà, et puis toutes les sociétés n'ont pas pu assurer la continuité d'activité. Pour plusieurs raisons, dont notamment la robustesse de la partie infrastructure. Je dirais la même chose sur la partie philippine, mais c'est important, c'est cher, et je milite moi personnellement, autant que président du pôle offshoring, si on arrive à baisser les prix, mais en tout cas, on a une qualité largement bien. Pour donner juste l'exemple également des Philippines, les Philippines, aujourd'hui, c'est 22 milliards de dollars en termes d'export, uniquement sur la partie BPO. Leur activité BPO a énormément souffert, entre autres, à cause de l'infrastructure. La partie télécom, et ils n'ont pas pu mettre le télétravail. Donc, moi, je voudrais avoir et garder ce niveau de qualité de la partie télécom, mais bien évidemment avec une baisse de prix. En tout cas, je pense que le message est bien passé pour nos amis et des opérateurs télécom. Ils le savent. C'est une occasion pour le renforcer et leur appuyer, effectivement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que... Alors, on dit qu'il y a d'autres questions. Oui. Bon, micro. Bonjour, messieurs. Donc voilà, je suis Imad Chami, je suis entrepreneur dans le domaine de l'offshoring, je travaille dans le domaine de la relation client. Voilà, donc je vous remercie tous pour toutes les informations que vous nous avez citées. J'avais une question par rapport à la prime à l'emploi. Monsieur Tiazi parlait des critères d'éligibilité pour en bénéficier. J'avais eu connaissance de ces critères il y a 2-3 ans dans le cadre d'une réunion qui s'était tenu avec des intervenants du secteur aussi à l'époque, et donc qui était aussi géré par le CERI, on va dire, si je peux me permettre. Et donc, je sais que parmi les critères d'éligibilité, c'est le fait de s'installer au offshore avec Medzet. Donc, moi, j'ai une question, c'est est-ce que le CERI ou les autorités compétentes ne pense pas proposer la même chose pour des sociétés qui opèrent dans le même domaine, mais qui sont plutôt au centre-ville et pas forcément au offshore. C'est mon cas parce que moi, j'ai fait mon investissement avant la création de offshore. Donc, une fois fait, je pouvais pas me permettre de refaire encore la même chose à offshore. Et donc, c'est ça ma question. Merci beaucoup. C'était-y. Une très bonne question et je vous remercie pour votre intervention. Il faut comprendre que effectivement le régime incitatif de mise en place de la prime à l'emploi vient, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, dans le cadre d'une convention entre la Wilaya de la région, FASMCNES, le conseil de la région, MedZ, en tant que, on va dire, aménageur, développeur et gestionnaire de FESHOR. Et le CERI. Donc, cette convention-là, effectivement, est liée à la promotion de l'offshoring et à l'incitation à la création d'emplois dans le cadre de ce secteur-là, effectivement, pour la valorisation du site Festshore. Donc, c'est aussi un peu ça l'objectif. Pour rappel, il y a effectivement des critères d'éligibilité parmi lesquels créer au moins 50 emplois par an, maintenir les emplois créés pour une durée de 24 mois, etc. Donc les critères n'ont pas changé, la convention est la même. Aujourd'hui, plusieurs grands opérateurs ont pu en bénéficier. Donc je note ce point effectivement, pourquoi pas mettre une autre incitation, en tout cas peut-être hors offshore, c'est un point qui peut être noté, qui peut être remonté. Ce qu'on peut aussi vous conseiller, c'est pourquoi pas aussi réfléchir à, alors je ne fais pas la publicité de offshore, mais pourquoi ne pas aller vers une infrastructure, on va dire, qui sera, je pense, aux meilleures normes et aux meilleurs standards internationaux, qui peut aussi peut-être vous permettre de transformer votre activité et de,
d'élargir peut-être le périmètre actuel. Je ne la connais pas, mais on échangera avec plaisir tout à l'heure. Mais je note ce point pour voir si éventuellement on pourrait l'étendre de manière plus générale au niveau de toute la région. Je note ce point. Sylgraoui, un complément. Oui, je voudrais juste rappeler un complément pour un petit peu situer le cadre de cette prime. Nous avons eu des discussions avec la région et à l'époque le directeur de CRI sur un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des investisseurs dans le secteur de l'offshoring à Fache. Et on avait développé à peu près un bâtiment de 15 000 m2, on avait peu d'emplois. Et en discutant avec pas mal, je dirais, d'investisseurs, le problème qui se posait à l'époque, c'est que Fès est une grande ville avec de grandes universités. Et la question qui nous a été posée par les investisseurs, c'est que venir à Fès, ça nécessite beaucoup d'investissements dans la formation des jeunes. Parce qu'il n'y avait pas à l'époque beaucoup d'acteurs. Et on s'est trouvé avec un obstacle. Qui finance cette formation complémentaire qui sera dispensée par les gérée par les investisseurs. D'où les discussions qui ont été initiées, gérées avec nos partenaires dans la région et qui ont abouti à cette prime à l'emploi et qui consiste à gérer à l'équivalent à peu près de 6 000 dirhams par emploi créé. Et cette prime-là, nous l'avons ensemble déployée pour accompagner justement les investisseurs à venir s'installer dans le parc de Fachor. Donc voilà un petit peu le contexte de la création d'emplois. Et je peux dire qu'aujourd'hui, on voit les résultats, parce qu'aujourd'hui, on voit le nombre d'acteurs et le nombre d'emplois qui ont été créés. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a à peu près plus de 1000 salariés qui ont pu bénéficier de cette prime, à travers les entreprises, bien sûr. Oui, une question. Bonjour à tous et merci pour ce webinaire riche en informations. Alors ma question va concerner en fait la facture énergétique et la neutralité carbone. Je sais que c'est un impératif dans d'autres secteurs en ce moment, mais ma question va s'adresser peut-être à la PBI. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà mis en place ou c'est quelque chose qui va être mis en place peut-être, auquel réfléchissent tous les acteurs de l'écosystème offshoring, c'est d'accompagner donc c'est les acteurs qui sont en place pour aller vers cette neutralité carbone ou la neutralité de la facture énergétique et se mettre au vert. Ça, certes, c'est pas un impératif, mais ça pourrait donner peut-être un avantage concurrentiel en termes d'image, en fait, et mettre en avant cet avantage au niveau international. Simon. Je voudrais juste être sûr de la question. Donc, vous parlez bien de l'intérêt que vous attendez que le secteur offshoring, donc à travers ses membres, prête attention à l'aspect économie d'énergie et tout ce qui va avec. Moi, juste, j'ai le plaisir de t'annoncer que quand on parle acteurs offshoring, une grande partie fait partie de groupes mondiaux. Et donc, cet aspect, il est complètement inscrit dans la politique interne de l'ensemble de ces groupes. Donc, il y a des engagements qui sont faits. La plupart de ces groupes sont certifiés ISO 14000 et ils prennent aussi des engagements au niveau worldwide sur la partie économie d'énergie. Et donc, il y a plusieurs actions qui sont entreprises au niveau worldwide et qui se déclinent localement. L'éteinte automatique en fait, des postes de travail, la mise à niveau en fait, de tout ce qui est électrique. On regarde vraiment la consommation à chaque équipement avant dans son achat. Et surtout, il y a des remontées qui se font mensuelles sur la partie consommation d'énergie et on a toujours des objectifs annuels de réduction. Donc ça, c'est quand je parle en fait des acteurs offshore qui font partie en fait de groupes mondiaux. Et je pense aujourd'hui, si je parle de façon globale de l'ensemble des acteurs, c'est un sujet aujourd'hui qui est pris au sérieux par beaucoup, beaucoup d'acteurs, à la fois sur un aspect économique. On sait que l'énergie, donc il n'y a pas que le télécom qui est cher, il y a aussi l'énergie qui coûte très cher au niveau du Maroc.
donc pour un aspect économique et puis pour un aspect environnemental. Je pense aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'ensemble de la politique étatique aujourd'hui sur le volet énergie verte, mais en tout cas, ça arrive également sur le volet entreprise, sur les deux angles que j'ai cités tout à l'heure. Merci. Je rajoutais juste un point par rapport à la question, c'est que, je dirais, à Metzet, depuis 2016, tous les bâtiments aujourd'hui qui ont été développés, aussi bien à Casanier Shore, Technopolis et Fashore, ce sont des bâtiments qui intègrent l'efficacité énergétique, justement pour réduire considérablement la consommation d'énergie gérée par les clients dans l'espace bureau. Alors, c'était la dernière question, et là, je m'adresse à nos panélistes qui sont à distance pour leur céder un dernier mot. Je commencerai par Sylla Seri. Sylla Seri, un dernier mot par rapport au sujet abordé aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Merci, vraiment merci pour cette opportunité. Grande possibilité. On a des talents dans tout le Maroc. On a des opportunités à capter. Et à nous de travailler tous ensemble avec nos territoires, avec notre capital humain, les universités et les acteurs de cette territorialisation pour nous assurer de pouvoir capter ces opportunités. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, Sylla Seri. Simrer, dis un dernier mot. Simardi, est-ce que vous entendez Simardi? Alors, c'est Abdelali Ansari, un dernier mot. Oui, je voulais vous remercier une fois de plus par rapport à cette initiative qui met en avant la région de Fès, mais également le programme de régionalisation d'une manière générale. Nous espérons, que cette crise Covid se termine entre guillemets le plus tôt possible pour qu'on puisse retrouver, les collaborateurs. Il est vrai que le télétravail a pu être mis avec une grande efficacité. Les télécoms nous ont permis de répondre à nos clients et à continuer nos activités. Néanmoins, il est clair que l'impact de cette distanciation commence à peser. Et nous espérons donc aussi relancer la croissance au niveau de l'ensemble des activités et particulièrement dans des régions comme Fès. Merci beaucoup, Sylla Ansari. Sylla Frédéric Bah, dernier mot. Très bien. Dernier mot, je dirais trois mots pour finaliser et pour décrire un petit peu, je pense, les facteurs clés de succès pour une régionalisation. Je dirais un, c'est l'innovation en termes d'être capable d'attirer des ressources et de grandir. La flexibilité au niveau des mesures à mettre en place, au niveau des ressources humaines, au niveau du modèle de travail pour donner davantage de flexibilité et ouvrir le mode de travail. Et aussi apporter une valeur ajoutée. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans un modèle de centre offshore d'il y a peut-être 10 ans où les tâches simples sont délocalisées. Nous devons démontrer que nous avons passé à une étape supérieure et être capable d'apporter une valeur ajoutée à nos donneurs d'ordre. Merci beaucoup, César. Merci. Alors, avant de donner le mot de la fin à César, je tiens à remercier l'ensemble de nos panélistes, l'ensemble des personnes qui ont suivi ce webinaire, que ce soit en présentiel ou en virtuel. J'ai vraiment été ravi de l'animer, d'être si bien entouré. Je vous remercie d'accorder ce temps et Dieu sait combien nos agendas sont remplis, surtout en cette période de fin d'année. Merci pour le temps. Merci à l'ensemble des personnes qui nous ont suivis. Et César Roch pour le mot de la fin. Merci, Si Mohamed. Bon, ça va être peut-être le mot du début de cette belle aventure de régionalisation. Et justement, par rapport à ce sujet, je tiens absolument à vous remercier, surtout vous, les panélistes, que vous avez fait de la route. C'est Samir
qui vient de loin, également c'est Mimoun et c'est Mohamed Ben Abou, d'avoir fait ce pour l'effort. Également, je voudrais remercier ceux qui nous suivent à distance. J'ai vu qu'il y avait une participation record et constante. Ça veut dire que le sujet intéresse beaucoup de personnes et c'est intéressé, ça me fait plaisir. Bien entendu, le pôle offshoring, qui est un pôle parmi les plus dynamiques, si ce n'est le plus dynamique, avec tout le travail qu'il fait, donc à travers son président, mon ami Mimoun Chéri, pour le travail extraordinaire qu'il fait. Donc je te remercie, mon cher Mimoun. Et bien entendu, tout le travail qu'il fait au sein de la structure d'animation offshoring, aux côtés du ministère. Et de la direction de l'offshoring, avec notamment Smaïl Azlmat et son équipe. Bien sûr, un travail qu'on peut le constater sur le terrain à travers toutes les actions d'études et de digitalisation et dématérialisation des procédures liées aux différents incentives offshoring. Donc c'est pour faciliter, on va dire, la vie de tous les jours à l'ensemble des offshoreurs, et également tout le travail qu'on fait la main dans la main avec le ministère pour pouvoir permettre les formations à distance. Et bien sûr, je vais peut-être dire un scoop en avant-première, mais la nouvelle circulaire de l'offshoring est en bonne voie, en excellente voie, pour un aboutissement, Inch'Allah, pour pouvoir attaquer 2021 avec de très belles mesures. Donc, et tout ça, c'est grâce à cette collaboration extraordinaire entre la fédération et les pouvoirs publics. Donc, je suis également content que l'APB représente ce secteur, ce beau secteur qui apporte de la valeur à ce pays, un secteur résilient. Donc là, on l'a remarqué pendant cette crise, on va dire, le secteur qui a le plus résisté à cette crise, et on l'a entendu. Mais bien entendu, c'est un secteur qui est prometteur avec toutes les perspectives qu'on a. Et je pense que justement, ce n'est que le début. Nous avons démontré notre capacité à se développer, à respecter nos engagements. C'est le meilleur élève du plan d'accélération industrielle et nous en sommes fiers. Et bien sûr, nous devons continuer ce beau travail pour pouvoir aller de l'avant et continuer le développement de ce secteur. Donc, il me reste à remercier tout le monde et à vous dire au prochain web dialogue de l'APB. Merci. Inch'Allah, merci à tous. Et je vous souhaite un très bon week-end pour les personnes qui nous suivent en présentiel et à distance. Bon week-end à tous.